Donc je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Donc avant de commencer le show, vu les événements qui se sont passés il y a quelques semaines sur Paris, nous allons faire une communion tous ensemble. Donc pour une chorale, faire une minute de silence, c'est un peu compliqué. Donc nous avons à vous proposer en fait à faire une minute d'applaudissement maintenant. Nous allons dédier le concert au défi de Fortuny. Donc voici la présidente, Madame Lelouch. Je vais vous laisser donc présenter l'association, puisque vous serez mieux placée que moi-même. Et donc voilà, je vous passe la parole. Bonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. Donc je suis la fondatrice et la maman de Fortuny, qui est décédée il y aura 5 ans, le 29 décembre 2015. Cette association a été faite en sa mémoire et à sa demande surtout, puisqu'elle en est vraiment la demanderesse. Puisqu'elle a laissé un testament, donne de la lumière aux jeunes qui sont dans la maladie comme moi, but de vie que je dois mettre en place. J'ai compris qu'à travers ce message, il y avait un message fort d'espoir. Ô combien. Quand j'ai ouvert l'association en 2011, je me suis aperçue qu'il y avait 2500 enfants et adolescents diagnostiqués, par an et en France, et 500 décèdent. Tous les ans en France, 500 enfants. Aujourd'hui, l'association a 3 missions. Elle œuvre pour les enfants hospitalisés au CHR de Lille et au centre hospitalier de Roubaix. Elle améliore des lieux de vie dans les structures hospitalières également pour les deux hôpitaux que je viens de citer. Et elle cofinance la recherche contre les tumeurs cérébrales. Il faut savoir que les tumeurs cérébrales en France, c'est 100% de perte. Aujourd'hui, le défi de Fortuny a un seul vœu, avec vous. C'est qu'un jour, des médecins puissent dire à des parents, nous avons des traitements et nous pouvons sauver vos enfants. Voilà, je vous remercie, c'est tous ensemble. Donc maintenant, place au spectacle. Bonne soirée.
Cette année-là, nous avons eu la canicule. Il a fait très chaud sous les t-shirts et sous les maillots, et Claude François n'y était pour rien. Se demande quand sonnera l'heure de sa mort.
Les mœurs, alors place à toute la musique que j'aime. Je veux la musique de mes rêves.
année-là, faisait son premier one-man show sur scène, avec sa célèbre salopette et son t-shirt de jeu. Et c'est l'histoire d'un mec, sympa, qui 11 ans plus tard lancera les Restos du Cœur, qui fêtent leurs 30 ans cette année. Belle preuve que l'amour est tout, et surtout ensemble. Chapeau melon et bottes de cuir, et les mystères de l'Ouest. Puis, le 1er octobre 67, même le journal télévisé est en couleur. Aussi, on aurait pu entendre ce fait divers. À Bourg-les-Essonnes, Marie-Jeanne Guillaume s'est suicidée, les habitants sont atterrés. Et le 4 juin, le soleil tapait depuis le matin. Je m'occupais de la vigne et mon frère chargeait le foin. Et l'heure du déjeuner venue, on est retourné à la maison. Et notre mère a crié de la cuisine, essuyez vos pieds sur le paillasson. Puis elle nous dit qu'elle avait des nouvelles de Bourg-les-Essonnes. Ce matin, Marie-Jeanne Guillaume s'est jetée du pont de la Garonne. Et mon père dit sa mère en nous passant le plein de matin. La Marie-Jeanne, elle n'est pas très maligne, passe-moi dans le butin.
passé en retour. Être ami qu'elle viendrait dimanche à terre. Oh, et la promo. Elle dit qu'elle a vu un garçon qui ressemblait à tous les Essonnes. Et puis Marie-Jeanne sautait quelque chose du fond de la gare. Toute une année passée, on ne parle plus du tout de Marie-Jeanne. Mon frère qui s'est marié a pris un magasin avec sa femme. La grippe est venue par chez nous et mon père en est mort en janvier. Depuis maman n'a plus envie de faire grand chose, elle est toujours fatiguée. Et moi de temps en temps, je vais ramasser quelques fleurs du côté des Essonnes. Et je les jette dans les eaux au fond du fond de la gare. Le 5 juillet 1974, la majorité légale passe de 21 ans à 18 ans. Conséquence, de mai 68 et promesse électorale de Valérie Giscard d'Estaing, ceux qui passent le bac seront plus responsables, mais les plus jeunes ne se sentent pas concernés. Ils sont assez occupés à suivre à la télé les aventures gloubi-boulguest de Casimir et toute sa troupe. Par de fou.
Où? Mais non, je n'ai pas l'autre. Ce n'est pas un titre ou un top. Sinon, c'est que nous l'avons tous. Écoutez donc par vous-même. Yeah.
Et je t'y fais, 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 et
cœur des 70s, en plaçant le curseur de notre machine à remonter le temps sur l'année 1975. À l'époque, l'ORTF laisse la place à trois chaînes de télévision, TF1, Antenne 2 et FR3. C'est aussi l'année de sortie du premier single issu de l'album numéro 7 de Julien Clerc. Ce titre, comme l'ensemble de l'album, est inspiré par la séparation de cet artiste et de France Gall après 5 ans de vie commune. C'est une véritable déclaration d'amour adressée à son ex-compagne. Mais ce soir, This Melody is for you. Apostrophe, le petit rapporteur ou Thalassin.
Côté musique, une chanson va particulièrement s'illustrer jusqu'à devenir aujourd'hui un classique, un titre culte. Écrit initialement en anglais, c'est dans sa version française qu'il atteindra les sommets. Nino Ferrer y fait référence à son pays d'enfance, la Nouvelle-Calédonie. Allez, on vous embarque, cap vers le sud. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Vas-y, ma Christine, on t'écoute.
1974, M. Pompidou décède et M. Giscard d'Estaing lui succède. La France, ne participant pas au grand concours de l'Eurovision, c'est Abba qui le gagne. Pendant ce temps-là, un chanteur-chasseur préfère se promener seul avec son chien et profiter d'une promenade dans la nature. Ce n'est pas nous qui allons lui reprocher quand on entend ce que ça lui a inspiré. On y croit ! Il était 5h du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, passe mon premier torrent de l'attitude. Les chiens pressés marchaient devant, dans les roseaux. Donnez-moi ma dame.
Thank you.
Jim Morrison, The Doors, au Père Lachaise, et beaucoup, surtout la gent féminine, vont le pleurer. Pleurer, c'est également ce qu'on pouvait faire au cinéma en regardant Love Story, et on avait le droit d'imaginer grâce à John Lennon. Nous, on rêve ce soir d'un voyage imaginaire qui nous permettrait d'atteindre le paradis. Thank you.
Yeah.
effectivement, malgré les petits couacs un petit peu de cette soirée, on a réussi un petit peu à rattraper le coup. Donc j'espère que vous vous êtes bien amusés quand même. Oui, c'est vrai, ça vous a plu quand même, ça va, vous êtes réussi. Donc, c'est un petit peu le temps du protocole, donc on va remercier un petit peu tout le monde maintenant. Donc je vais remercier la municipalité principalement, déjà pour nous permettre d'avoir la scène, comme elle est installée, la possibilité d'avoir cette salle de spectacle. Donc merci monsieur le maire, merci aux adjoints présents ce soir également. Je voulais remercier donc l'association Le Défi de Fortuné, qui sont déjà repartis au niveau du bar. Ils vous attendent encore. Il y a de la boisson, des sandwichs, des croques. Videz vos poches, c'est pour eux. Je voulais donc remercier notre chef. On peut quand même faire une ovation à madame Nathalie Laporte. D'être chef et elle doit supporter 40 à 50 personnes devant elle chaque mercredi à faire les voix. Voilà, donc c'est encore un grand merci. Avec plaisir. Je voulais remercier également le bureau présent parce que voilà, c'est pas une seule personne, c'est toute une équipe. Donc pour pouvoir vous accueillir, faire les flyers, faire les chants, préparer les salles, préparer voilà, pourtant. Donc je voudrais qu'on applaudisse également le bureau présent. Aussi quand même les choristes pour tous leurs costumes. Parce qu'on ne savait pas jusqu'à ce soir comment ils seraient habillés, mais on n'a pas été déçus, hein, franchement. On peut remercier les couturières qui ont fabriqué les petits accessoires des hommes, donc Marie-Paul, Nicole, Christine. Je souhaitais remercier également Edith et Fabrice qui ont assuré les entrées. Donc, voilà pour te remercier, Nathalie. Oh, bah, c'est... Ah, j'ai François pour m'embrasser. Ah, c'est trop. Ah, mais Valérie, je suis désolée, mais c'est trop. On va aller voir. Bon, bah, tiens, tu prends ça, mais j'ai un peu ça. Merci, c'est gentil. La pause, hein. Bon, tant pis, moi, je voulais remercier, malgré tout, ce qui s'est passé, c'est pas de sa faute, elle est malheureuse, il a fait ce qu'il a pu. Non, un grand merci à Yannick qui nous accompagne à chaque fois de nos hommages. Merci.